Bonjour à tous et bienvenue dans ce Question pour un Kiki. Est-ce que vous connaissez le Question pour un Kiki, le principe du jeu? Qu'est-ce qu'il fait avec son tabouret derrière? T'es pas assez grand comme ça, on te voit plus dans le plan. Non, alors voilà, donc le principe du Question pour un Kiki, il va falloir répondre le plus rapidement possible aux questions que je vous pose. Il n'y a pas de buzzer, il faut répondre Kiki et ensuite la réponse. Est-ce que vous avez compris? Oui. Vous n'avez pas compris? Kiki. Ah, voilà. On va commencer facile. Alors, première question. Combien ai-je de kiki? De peluche, kiki? Kiki. 7. 4. Non. Oui. Bonne réponse de Last Addiction. Alors, on va pas tous les montrer. Il y en a qui sont pas là. Enfin, c'est magnifique, c'est merveilleux. Il y en a qui sont... Il y en a trois là. Il y en a un dans la poche. Il y en a un là. Il y en a un là. Enfin, bref. Celui-là, c'est mitoyen. On sait pas trop. Mitoyen, ça veut rien dire. Deuxième question. Quel est le point commun entre Robin de Paralix et Last Addiction? Quatre choix de réponse. Un seul. Quatre choix de réponse, une seule bonne réponse. Première, ils se sont déjà croisés à une soirée BDSM. Deuxième, ils se sont déjà croisés en prison. Ils se sont déjà croisés en interview. Ils se sont déjà croisés en festival. Ah, mais moi je l'ai laissé. Bien sûr. Quel festival? C'était le Plein Air Fest. Avec quel groupe? Avec Odyssée. C'est bien, t'as des bons souvenirs. Je me souviens. Et du coup, c'était Dylan ou Gaël sur la BDSM? C'était les deux. C'était les deux. Ensemble. Question suivante. Quel groupe est déjà passé dans cette émission? Quatre choix également. Allez à Jacques Taest, Chaka Ponk, Why She Sleeps, Drop Dead Chaos. Kiki? Non. Kiki? Bah réponds, t'as raison. Drop Dead Chaos? Non. Non, Kiki, le premier, j'ai pas noté. Allez à Jacques Taest? Non. Kiki? Why She Sleeps? Oui, ah ouais, tout à fait. Ah ouais, eh oui, merci. Pas le mec se la raconte à travers des interviews, des questions pour un Kiki, c'est génial. Il a le droit, hein. Question suivante. Remplacer le mot du titre d'un morceau, je vais donner un exemple si c'est trop cérébral. Non, le mot du titre d'un morceau, un morceau à vous ou pas, par Kiki. Exemple avec Hawkman, Can You Feel My Hand, Can You Feel My Kiki. Ah, Kiki, Between Two Kikis. Elle est très bien. Elle est très très bien. Je valide cette réponse. Elle est incroyable. Oui. Kiki of Man. J'aime beaucoup aussi, un demi-point pour l'effort. Alors attention, question de rapidité. On enchaîne trois questions. Première. Je suis le sourire du vidéaste à chaque enregistrement. Je régale les papilles du groupe, de l'équipe depuis trois saisons. Je suis composé d'un peu d'Italie. Je suis... Kiki. Une salade au pesto, oui. Deuxième question. D'où est tirée cette citation? Moi aussi, j'étais aventurier autrefois, puis j'ai pris une flèche dans le genou. J'avoue, c'est un peu triché, c'est Skyrim le jeu, je ne sais pas si vous y avez joué. Donc du coup, il y a quand même une question bonus qui sera plus orientée vers vous. On en refait une, donc. Une mort certaine de faible chance de survie, Kiki. De succès, mais qu'attendons-nous? Oui. C'est Le Seigneur des Anneaux. Oui. Oui, c'est ça, c'est Gimli, ouais. Oui. Dans Le Retour du Roi, ouais. Et dernière question. Attention, il y a un teasing incroyable. J'existe depuis 2014. En 2024, je fête mes 10 ans et je vais faire une date pour fêter ça. Je suis... Exactement. Voilà. Question pop culture maintenant. Et félicitations. Merci. Mes 10 ans. C'est un kiki. Alors là, je vais vous faire écouter trois extraits. Vous devez me donner le titre du film, de la série, du jeu vidéo dont c'est tiré. Premier extrait. Kiki. Brooklyn Nine-Nine. Oui. Tu regardes ça, là. Mais oui. Bah ouais, non, mais ça allait trop vite. Deuxième extrait. Non. Eh oui, eh oui. Et deux points de plus. Je crois qu'ils sont en train de prendre de l'avance, là. Troisième extrait. Ça, c'est moi. Non.
Bravo. Vous en déduisez ce que vous voulez, hein, mais moi, je serais assez jugeant. Hein. Et enfin, dernière question, c'est un défi. Le défi Kiki. Voici donc deux casous. Donc, voilà, il va falloir donc que vous désigniez un champion et que eh bien, vous interprétiez un extrait d'un morceau que j'ai choisi au casou. Ensemble, en même temps. Et si on ne le connaît pas ? Oh, si, si. Ça, c'est la pression. Est-ce que vous avez deviné ? On a le droit de dire Kiki ? Kiki ? Vous pouvez le dire, vous pouvez le dire, vous pouvez le dire en cœur si vous voulez. C'est... Game of Thrones. Bravo, belle interprétation. C'était magnifique. Merci beaucoup. Paralix, merci beaucoup. Last Addiction, on avait oublié de le dire au début de Question pour un Kiki. Mais merci à vous d'être venu aujourd'hui, d'avoir participé à ce Question pour un Kiki. De la promo à venir donc pour Paralix, avec eh bien, des clips, des singles, un album aussi dans quelques temps. Pareil pour Last Addiction, à retrouver sur les réseaux avec un clip également, un album, des concerts aussi. Et puis on se dit à très très vite. Bravo pour ce Question pour un Kiki. Et à bientôt.